Et nous te bénissons pour l'étude biblique de ce soir nous prions Seigneur que comme ta parole vient la parole de vie la parole de foi que cela génère et augmente la foi dans tous les cœurs au nom de Jésus et nous prions Seigneur que la foi pour que la foi fasse son œuvre puissante dans toutes les vies merci Seigneur au nom de Jésus nous prions Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans Jacques, chapitre 2. Dans Jacques, chapitre 2, nous considérons à présent le verset 20. Jacques, chapitre 2, lisons le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi dans, sans les œuvres est inutile. Verset 20. 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite? 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. 24. 24. Vous voyez que... L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Nous, allons, nous revenons à ce passage à cause de l'importance de ce passage, l'importance de la foi et ce que cela nous enseigne, ce que nous devons apprendre et comment nous devons relier cela. Nous parlons ce soir de vivre pas la bonne foi d'Abraham et non par la foi morte d'Adam. Il y a une foi dynamique, il y a une foi vivante, il y a une foi qui justifie, il y a une foi qui nous donne de marcher sur le chemin de la justice, par l'imputation de la justice de Christ à nous. Et de l'autre côté, il y a également la foi qui est morte. Une foi qui est sans les œuvres, une foi qui est sans obéissance, une foi qui est sans les actions correspondantes. Et une sorte d'action qui ne correspond pas avec, qui ne à cette foi que nous professons ou que nous possédons. La foi qui est morte, la foi qui n'a rien de vie dans nos cœurs, dans nos actions. Ça, c'est une foi morte. Pas d'action, pas de relation correspondante et pas de transformation, même si l'homme préfère être dans la foi. Et nous voyons cela avec Adam. Et Adam avait une foi morte. Il savait qu'il y avait Dieu. Il savait que Dieu l'avait créé. Il savait que Dieu avait créé Ève, sa femme. Et il n'avait pas de doute à propos de cela, à propos de la puissance de Dieu de créer. Il n'était pas un, un athée. Il croyait en Dieu. Que Dieu était un puissant Dieu. Malgré cela, il n'a pas suivi cette foi jusqu'au bout. La foi qu'il avait en Dieu, cette foi était morte. Et il a désobéi au Seigneur. Cette sorte de profession de foi qui obéit à la parole et qui ne suit pas la conscience de pouvoir suivre Dieu dans ses actions, est une foi morte. Et c'est pour cette raison que nous considérons la foi d'Abraham et la foi d'Adam. La foi vivante, la foi dynamique, la foi puissante, la foi proactive. Et de l'autre côté, Adam négatif, désobéissant, morte, morte foi. Nous allons considérer trois points aujourd'hui. Numéro un, nous parlerons de la démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. Numéro deux, la désobéissance éliminatrice de la foi morte d'Adam. Et numéro trois, nous parlerons de la dédicace entière à travers la foi distincte d'Abraham. Nous allons voir le point numéro 1. Nous allons voir le point numéro 1. Le numéro 1 dit la démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. La foi qui décide du côté de Dieu. La foi qui décide de, trava de marcher en ligne avec les exigences de la parole du Seigneur. La foi qui vie et qui œuvre et qui vit et qui reste et qui s'assoit sur tout ce que Dieu a ordonné. La foi qui plaise à Dieu et qui donne à Dieu la première place, la place exaltante. La foi qui nous donne de nous humilier devant Dieu et de, de dépasser notre vie et d'obéir à la parole de Dieu. La démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. Nous allons voir trois sous-titres sur sous le premier point numéro 1 la preuve de la foi d'obéissance d'Abraham. C'est une sorte de foi que le Seigneur reconnaît, une sorte de foi qui lui obéisse, la foi qui soumet, se soumet à lui, la foi qui s'abandonne à Dieu, la foi qui marche Suivant le chemin de la justice et de l'obéissance. Numéro 2, sous-titre 2, le modèle de la foi imitable d'Abraham. Tout le monde peut l'observer. Tout le monde peut l'imiter lorsqu'on voit qu'il a laissé le calde dans le pays dur et qu'il a pris tout ce qu'il avait et qu'il était sorti pour aller dans la direction que le Seigneur lui avait indiquée. Tout le monde avait observé cela. Et bien qu'il avait une femme qu'il devait choisir et qu'il partait de cela, il partait de là et disait à son serviteur de ne pas amener Isaac dans son pays d'où il était sorti, tout le monde pouvait observer. Et on peut le dire que c'est une, ord une ordonnance de l'Éternel qui n'était pas faite dans le secret. Et lorsque vous croyez à Dieu dans la vérité, lorsque vous vous, vous vous obéissez à Dieu dans la vérité, votre vie, votre œuvre, vos actions, votre ténacité, votre disposition, votre fermeté, tout en vous est observable. Et sous titre 3, nous parlerons des possesseurs de la foi occupante d'Abraham. La foi occupante, la foi qui fait quelque chose, la foi qui est toujours en œuvre. Donc les possesseurs, nous parlons des, des croyants de ce jour, nous croyons des gens qui sont venus à connaître le Seigneur et qui sont connectés au Seigneur, convertis pour le Seigneur. Et nous pouvons voir ce qu'ils possèdent. Il possède la foi agissante d'Abraham. La foi agissante d'Abraham. Nous allons venir au sous-titre 1. Le sous-titre 1, c'est la preuve. La preuve de la foi d'obéissance d'Abraham. Nous allons considérer dans Hébreu chapitre 11. Hébreu 11, verset 8. Hébreu 11, verset 8 nous dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit, ça c'est le, le mot, il partit, il partit sans le savoir, sans savoir où il allait. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Dieu? Oui. Avez-vous jamais lu la Bible? Oui. Est-ce que vous savez ce que la Bible exige du pécheur avant de venir dans le royaume? Oui, vous le savez. Repentir, se repentir et croire à l'Évangile. Et lorsque vous venez au oh Seigneur, vous savez ce qu'il ordonne? que nous devons être, nous devons vivre dans la justice, par la justice de la foi, que nous devons vivre dans le royaume. Sachant, écoutant, c'est une chose. Faire, obéir, c'est la réelle chose. Il obéit et partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi. Il s'est reposé sur Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit ce qu'il dit. Il a dit ce qu'il dit. Il, a, il, a, il, a, il est sûr ce qu'il dit. Et il allait. Là où il partait, il ne savait même pas là où il serait. Il ne savait pas la destination. Il ne connaissait pas le, la, euh, le, le, la, le point final. Mais de ce qu'il allait posséder, malgré cela, il a obéi, ne sachant où il allait. Ça, c'est la foi de l'obéissance. Que le Seigneur exige de nous. Allons dans Romains chapitre 6. Romains 6, 17. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. C'est ce que le Seigneur espère et c'est ce que l'Église primitive avait fait. Jérusalem, Rome, Philippe, Éphèse, tous ceux qui ont connu le Seigneur réellement et qui sont venus à croire au Seigneur, ils ont obéi de leur cœur ce commandement saint qui leur était donné. Regardez le verset 18, le verset 18 ayant été affranchi du péché, les péchés de la désobéissance qui ont envahi nos vies avant que nous connaissions le Seigneur. Si nous connaissons le Seigneur vraiment dans la réalité, dans les moindres choses, dans les grandes choses, dans les choses publiques, dans les choses en secret privé, dans les choses spirituelles, dans les choses sociales, dans les choses ordinaires, dans les choses extraordinaires, pour prouver que vous êtes. Ah, vous, êtes, vous avez connu le Seigneur, c'est l'obéissance à la parole qui va le dire. Si que vous êtes devenu esclave de la justice, il est dit dans Romains chapitre 16, verset 26. Romains 16, 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu l'Éternel, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Obéissent à la foi. Quiconque professant être sauvé, né de nouveau, enfant de Dieu, mais qui n'a pas l'évidence de l'obéissance, de la foi dans sa vie, il n'est pas venu à la vraie foi, pas encore. La foi qui amène le salut, la foi qui amène la conversion, cette foi qui œuvre dans nos vies et qui nous donne d'être obéissants, des obéissants à la foi. Ça, c'est la preuve que nous avons la foi vivante, la foi dynamique, la foi décisive dans le Seigneur. Sous titre 2, nous parlons à présent du modèle de la foi d'Abraham observable. Hébreu 11, Hébreu 11, 9. Hébreu 11, verset 9. Et Dieu, verset 9, que c'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob les, hérit les co héritiers cohéritiers de la même promesse verset 10 au verset 10 car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Dieu l'a appelé pour aller sur une terre de promesse, ici sur la terre qu'il ne connaissait pas et qu'il ne savait même pas comment la terre, ce à quoi ressemblait la terre. Mais il a obéi, que sachant que Dieu ne veut pas mentir. Il savait que ce que Dieu disait, il le disait et qu'il préparait ce lieu-là pour lui. Et bien qu'il ne su cette terre ou vue, cette terre ayant été sur cette terre auparavant, il crut au Seigneur, et il s'est tenu sur sa parole, et il a commencé sa marche, et il a regardé au-delà de la terre de promesse, il a regardé au-delà de la terre terrestre, il a regardé de la terre plaisante, il a dit qu'il a cru qu'il y a... Une autre terre dans la gloire. Il y a une autre terre dans la gloire. Il y a une autre terre de l'autre côté au-delà des cieux. Et il a regardé cela, il a espéré cela, il a cru en cette cité. Tous les pas qu'il promenait et toutes les choses qu'il faisait, il vivait comme je vais à ce meilleur endroit. Et pour y parvenir, je dois être obéissant au Seigneur. Voilà pourquoi il est dit qu'Abraham a tendé la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il, il s'est vraiment, dépend, euh, euh, vraiment dépendu de ça lorsqu'il avait d'arguments entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre, qui doit prendre ceci, qui doit prendre cela. Abraham a dit... Prends ce que tu désires, prends ce que tu désires, je peux Dieu prendre ce qui resterait. Puisqu'il avait la foi en Dieu, il n'avait pas cru que ce pas sa propre force, sa, ses propres lutte, qu'il aurait ceci, va arracher ceci ou non. Il y a des gens qui se nomment des croyants, ils ne se soumettent jamais à quoi que ce soit que le Seigneur peut faire, à quoi que ce soit que le Seigneur va dire. S'il y a quelque chose qui se place entre la personne celui-là et l'autre, il va utiliser tous les moyens possibles pour réclamer ce qui est à lui et lui arracher cette chose afin de posséder ce qu'il désire. Ça, ce n'est pas la foi. Ça. Ceux qui luttent, ceux qui se battent et ceux-là qui essaient de piétiner les autres afin de posséder. Ce qu'il désire, ce qu'il veut, au-delà des autres. Ça, c'est la vie de l'incroyance. Abraham eut foi en Dieu. Et il avait tout laissé entre les mains de Dieu. L'autre n'avait pas cette foi en Dieu. Il voulait posséder, posséder, attirer, saisir, saisir. Et finalement, il a atterri à Sodome. Hébreu chapitre 6, le verset 12. Hébreu chapitre 6, le verset 12. Au verset 12, il dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Dans le cas d'Abraham, c'était une promesse physique terrestre. Je te donnerai cette terre. Oui, malgré cela, il a observé la patience. Vous savez, l'impatience, lorsque l'impatience s'établit et saisit votre vie, saisit la vie de quelqu'un, et la personne ne veut pas attendre de l'autre côté, il ne veut pas attendre son propre temps, il ne veut pas attendre le temps, le meilleur temps. Le meilleur moment, il ne veut pas attendre qui que ce soit, il ne veut pas attendre Dieu, il doit posséder la chose maintenant et ici. Et il va utiliser toutes les ruses et utiliser tout ce qu'il a dans sa pensée pour s'assurer que ce qu'il désire, il possède cela. Il peut piétiner les autres, il peut pousser les gens par terre, il peut insulter les gens, il peut assolter les gens. Il peut essayer de pouvoir griffer les gens pour posséder ce qu'il veut. Il doit avoir la raison. Ça, c'est une incroyance. Pas de patience, pas de foi en Dieu. Comment es-tu parvenu à avoir ce que tu as maintenant Est-ce que ce n'est pas le modèle, la pratique de l'impatience, de l'infidélité, de la lutte, de la bagarre de faire de détruire les autres pour posséder ce que tu as ce que tu as possédé jusque-là maintenant ne soyez pas ne vous relâchez point et soyez imitateurs de ceux-là qui par la foi et la persévérance la foi et la persévérance héritent des promesses c'est ce qu'il désire pour vous et pour moi Aujourd'hui, toute autre chose qui est en dehors de ceci est sur le chemin de l'incroyance. Regardez le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il la jura pas lui-même. 14. Et il dit, certainement... « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » 15. « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, » Pensez à cela. L'endurance va de pair avec la patience. Tu veux que le problème soit résolu. Tu veux que la promesse soit accomplie. Tu veux voir que ton désir soit accompli. La patience est nécessaire. Celui-là qui demande maintenant, qui veut encore l'avoir maintenant et qui ne vient pas, ça ce n'est pas le chemin de la foi, la patience. Dans la patience, on dit le cœur patient est... Recherche ce qui doit dire, recherche. Et bien que la chose tarde, bien que cela ne vienne pas maintenant, il est calme, il est calme. Qu'un patient, qu'un impatient soit calme, soit calme. Le cœur est gris. Mon cœur est gris. Je veux voir que cela soit fait. Je suis trop pressé que cela soit fait. Si c'est fait maintenant. Mais ce n'est pas fait maintenant. Oh, cœur impatient, soit calme. Cœur anxieux. Que ancieux, en ancieux, en en je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Sois calme, sois calme. Veille, prie, travaille et prie sans cesse. Peu importe ce qui va se passer, tiens-toi et reste là. Dans son temps, ça va venir. C'est ce que Dieu dit, que l'endurance va de pair avec la patience. Qui que ce soit qui ne peut pas endurer n'a pas non plus la patience. Je ne peux pas endurer une, paix, une douleur. Je ne peux pas endurer quelque euh, refus ou euh, retard. Je veux prendre le contrôle. Je vais être au contrôle de ceci, contrôle ceci, contrôle cela. Je veux être dans la, le partenariat de, de la possession. Je vais l'avoir maintenant. Mon frère, calme-toi. Coeur impatient, coeur anxieux, coeur euh, 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 impatient, sois calme. Ça va venir. Ça peut ne pas venir maintenant. Et mon âme va rester attendant jusqu'à ce que ça vienne. Quel que soit ce qui sera, quel que soit ce qui va se passer, et ou non, après qu'il a enduré patiemment, il va obtenir la promesse. Ça, c'est le chemin pour recevoir de la part du Seigneur afin d'hériter ce qu'il a promis que nous allons hériter. Sous titre 3, 3 les possesseurs de la foi agissante. D'Abraham. Nous considérons Hébreu uh, 11. Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont tous péri, sont tous morts. Parlant d'Abraham, ils n'avaient pas eu la possession. De toute la terre de Canaan, que le Seigneur lui avait promise et avait promis comme héritage. Et ce qui était promis à sa postérité, il ne l'a pas vu. Malgré cela, il a continué de croire, de croire, de croire jusqu'à ce qu'il a trépassé. C'est après, bien après, que la nation d'Israël a possédé toutes choses. Non seulement cela. Il y avait des promesses de, euh, de l'expérience spirituelle, le plein salut, la sanctification et le baptême dans le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament que les prophètes ont, dont les prophètes ont parlé, ils ont continué de croire, de croire, de croire jusqu'à ce qu'ils soient morts. Ah, finalement, Jésus est venu et toutes ces promesses sont accomplies sous Christ. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas dit comme je n'ai pas reçu, est-ce que Dieu va jamais faire cela il a, il a dit que tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient, reconnaissant qu'ils étaient. Il dit, ils étaient. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le verset qui suit. Le verset qui suit nous dit ce qui s'est passé. Le verset qui suit, suivant le 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps dit ils auraient eu le temps dit retourner la tentation la pensée de retourner. Mais non, ils ne se sont pas retournés. Parce que quoi? Ils ont continué dans la foi, ils ont continué de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Verset 16, verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Et ils ont dit, même si nous n'avons pas, nous avons toutes ces choses-là. Même si nous avons, nous possédons toutes les tous les plaisirs, tout ce qui est ici sur la terre, il y a une chose meilleure, et nous n'allons pas géopadiser notre chance de parvenir à cette terre meilleure en agissant dans une manière charnelle, agissant d'une manière sociétale, en agissant de la manière mondaine et de la bagarre, de la lutte ici sur ces choses. Non nous allons demeurer focalisés avec le seigneur nous allons demeurer fidèles au seigneur Et ainsi il dit que c'est pour cette raison que lorsqu'ils ont désiré cette terre céleste cette, cette terre céleste ils ont dit que dieu même n'a pas, pas honte d'être appelé leur dieu c'est pourquoi dieu n'a pas honte d'être appelé leur dieu car il leur a préparé une cité. Car il leur a préparé une cité. Comme Christ nous a rassurés, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurais préparé la place, je reviendrai encore et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez. Et après cela, il a dit, à occuper vous jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et quand vous avez la foi en Dieu et que vous avez les yeux sur ce lieu céleste, ce lieu futur, vous devez manifester cette foi pour faire ce qu'il vous a donné de faire pendant que nous sommes dans l'attente de ce temps. Nous devons continuer et nous occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Nous regardons à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 1 Pierre. Chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, les convoitises charnelles, les attirances charnelles, les désirs charnels, les affections charnelles. Les luttes, les bagarres qui font la guerre à l'âme. Lorsque nous nous concentrons sur l'impatience, la, la, la vie qui est trop pressée, posséder les choses de, cette, de ce monde rapidement satisfait notre désir, désir personnel, désir précieuse, précieux pour nous et que nous oublions le ciel. Et tout ce que nous battons, nous nous battons pour posséder dans, dans nos dédicaces et dans nos oublis, c'est les choses de ce monde. Nous, ces choses font la guerre à l'âme. Mais il dit au verset 12 Au verset 12, il dit Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une conduite honnête, une conduite appropriée parmi les païens, afin que là même où ils vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Verset 21. L'Esprit de Dieu, au travers de l'apôtre Pierre, dit ce qui suit. Et c'est à cela que la façon dont nous devons être occupés, ce que nous devons faire, la foi qui doit agir, et ce que nous sommes en train de planifier, faire comme Christ. Et nous ne devons pas dévier du chemin de la foi, comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont dévié dans ces derniers jours. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Verset 22, il dit Lui qui n'a point commis de péché, ça c'est un exemple de pour nous, quel que soit ce que nous voulons posséder qui va amener le péché, nous devons laisser la chose. Quelle que soit la chose que nous allons lutter pour posséder, quelle que soit la chose que nous allons désirer qu accomplir, qui, va à, qui aura affaire avec le péché, nous devons abandonner. Il n'a pas péché. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, verset 23, verset 23, lui qui injurier ne rendit point d'injure, les petites petites choses, on lui t'a jeté quelque chose? Moi? <laughs> Je sais comment jeter aussi. Hein? Vous prenez et vous, rejetez, vous jetez cela de re, en retour. Ça, ce n'est pas l'œuvre de la foi. Ça, ce n'est pas le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de la, de, de la patience. Ce n'est pas le chemin de la suivi ou bien du suivi du chemin d'exemple de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsqu'il était injurié, il ne rendit point d'injure. Lorsqu'il était maltraité, il ne faisait point de menace. Hein? Nous sommes vraiment désolés. Toutes les fois que nous sommes menacés, nous, que nous n'allons pas être permis d'aller là où nous voulons aller. Et alors, nous oublions, nous nous oublions nous-mêmes. Et nous menaçons de retour. Nous menaçons les gens. Peut-être que c'est des gens qui sont là. Ils ont une posture post de, de menace. Une posture menaçante. Des propos menaçants. Ils ont des paroles menaçantes, des idées menaçantes. Et des idées menaçantes, des personnalités menaçantes. Ça, ce n'est pas Christ, ça. Pour -ce, pourquoi vous voulez développer une personnalité de, de, de menace Pour que les gens aient peur de vous. Afin que vous puissiez avoir raison sur eux. Et faire ce que vous voulez faire. Ça, ce n'est pas la voie de la foi. Ça, ce n'est pas la voie qui suit l'exemple de Christ. C'est plutôt la prière qu'il faut faire. Et travailler avec la circonspection et travailler sur cette propensité ou cette attirance qui demande à menacer les gens par les actions, par les paroles, par la disposition, par votre disposition, par votre regard. Ah, ce n'est pas le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de Christ, ça. Il nous a dit que Christ, lorsqu'il était injurié, lorsqu'il a été maltraité, il ne faisait point de menace, mais s'en remettait, s'en remettait. À celui qui juge justement. Ceux qui se battent pour eux-mêmes, ils ont oublié que Dieu est toujours sur le trône. Dieu ne s'implique pas dans les affaires des hommes, il ne le fait plus. Alors, ils peuvent se lever et faire des choses, Dieu ne voit pas. Ils peuvent détruire des choses, Dieu ne voit pas. Ils peuvent réclamer leurs droits, Dieu ne voit pas. Parce qu'ils sont là, ils sont des gens qui ne croient plus que Dieu voit. Et que Dieu peut les défendre. Ils ont perdu cette fois, Et c'est pour cette raison qu'ils essaient de se battre, de lutter ici et là. Que le Seigneur nous en délivre. Un bon Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire C'est de nous occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Luc 19. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Verset 13. Verset 13. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire quoi? S'occuper dans... Les mêmes choses dans lesquelles j'étais occupé. Et je suis en train de partir, et le monde entier est encore là. Lorsque vous partez, prêchez l'évangile à toute la création. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Hébreu 13, verset 8, verset 9. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement 9 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Suivez Christ. C'est la même chose. Là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Christ devait venir sur la terre aujourd'hui, ce qu'il serait en train de faire, c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il était ici sur terre. Qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et puisqu'il nous a laissés ici sur la terre, ça c'est notre devoir premier. Oui, nous allons faire le travail séculier afin de nous nourrir. Et si nous avons la nourriture et l'habillement, cela doit nous être suffisant. Ce n'est pas que seulement de courir comme la course des souris avec les gens de ce monde et nous oublions l'occupation primaire ce que Christ le Sauveur, notre Rédempteur nous a confié, ce qu'il nous a laissé Faites -les à faire. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Point numéro 2 à présent. Le point numéro 2, c'est la désobéissance éliminatrice de la foi morte d'Adam. Adam avait une foi morte. Vous connaissez l'histoire. Nous allons voir trois sous-titres ici également. Le sous-titre 1, c'est l'expulsion loin du Jardin d'Éden à travers la folie mortelle. Numéro 2, l'élimination du rassemblement exalté par la foi morte. Et numéro 3, exempté de la grâce suffisante après la chute. Mortel. Nous allons venir au sous-titre 1. Le sous-titre 1 parle de l'expulsion loin du jardin d'Éden, l'expulsion du jardin d'Éden à travers la folie mortelle. Est-ce que ce, ce n'est pas vraiment fou, euh, euh, insensé lorsque Dieu avait parlé à Adam et qui lui avait dit ne mange pas de ce fruit. Prends tous les autres fruits. Tout est disponible pour toi de l'autre côté. Maintenant, Satan est venu. Est-ce que Dieu a vraiment dit Et Eva dit, oui. Elle a répondu, oui, Dieu a dit. Ne devons pas. Ne devons même pas toucher. Mon frère, mon ami. Est-ce que tu vas toucher quelque chose que tu n'as pas l'intention de manger Et il a dit de ne pas manger ni de toucher. Et finalement. Satan, le serpent, Satan dans le serpent a parlé à Ève. et là, il a, il a, il lui a dit que Dieu avait tort et que Dieu avait un motif qui ne voulait pas qu'il soit comme lui-même et de manger. Il faut manger, allez manger, prenez, touchez et vous serez comme Dieu. Et à cause du manque de foi en Dieu. À cause de manque de confiance en Dieu, elle a touché, elle a pris, elle en a mangé. Et Adam n'était pas présent, Adam était là. Et lorsque lorsqu Adam était venu auprès d'elle, elle a fait l'introduction du fruit à Adam. Adam avait directement reçu de la part de Dieu de ne pas toucher, de ne pas manger cette chose. Maintenant, manque de foi en Dieu. Manque d'obéissance en Dieu, manque de confiance en Dieu, manque de se soumettre à Dieu. Lui aussi, il a cru à la parole de la femme parce qu'il a dit à Dieu c'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné et j'en ai mangé. Il a pris la parole de la femme et il a laissé sa conviction en Dieu. Il a abandonné sa confiance en Dieu. Il a abandonné son obéissance à Dieu et il est devenu nu. Adam, tu es où là? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger au lieu de dire... Oui, je l'ai mangé. Je m'excuse beaucoup. Je n'ai pas. Je suis parti très loin. J'ai perdu le chemin. Non, il ne l'a pas fait. L'orgueil a tout couvert. L'orgueil ne veut pas confesser. L'orgueil veut cacher, donner des excuses. Se cacher, donner des excuses. Voyez-vous ce qu'il a dit. Dans Job 31. Job 31, 33. Job 31, 33. 31-33. Si comme des hommes, j'ai caché, comme Adam, j'ai caché mes transgressions, si comme Adam, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, c'est ce que l'Écriture le, le, nous dit, Adam avait caché son iniquité, il a caché son péché, il avait couvert cela, et les, mes transgressions étaient cachées. Ils n'avaient pas cru à Dieu que Dieu peut voir au travers et que Dieu peut dire ce qui s'est passé. Ceux qui ont la foi morte, ils peuvent savoir connaître la parole de Dieu, savoir et faire ces deux choses différentes. Et lorsqu'ils ont offensé Dieu, péché contre Dieu, et qu'ils ont permis à la transgression, l'iniquité de s'attacher à eux, et qu'ils savent que Dieu les défie, ils ne se répandent pas. Ils font comme Adam. Ils couvrent le péché et ils se cachent. Et ça, c'est leur folie. Et à cause de cette folie, il a été expulsé, il a été chassé, il a été renvoyé du jardin merveilleux d'Éden. Et alors? Nous ne devons pas suivre la voie d'Adam. Dans psaume 51, 51, le verset 11. Psaume 51, le verset 11. Psaume 51, verset 11. Il dit Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Le verset, le verset 13 à lui, second, ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Le verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous pouvez dire, tout va bien, tout va bien avec moi. Mais est-ce que votre salut est là? Le salut est parti et la joie du salut est partie. Et la certitude du salut est partie. Vous pouvez penser, couvrir avec le sourire, avec quelle que soit la disposition que vous pouvez démontrer, quelles que soient les expressions externes que vous allez démontrer. Mais aux yeux de Dieu... Vous êtes déjà déboussolé. Vous êtes déjà parti. Mais il dit Retourne-moi la joie de ton salut. Restons-moi. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps. Paul était un croyant équilibré. Il était un prédicateur équilibré. Il était un pasteur équilibré. Il était un apôtre équilibré. Lorsqu'il il essaie de faire des choses, de mettre les choses en ordre, c'était son appel. Et il dit, lorsque je suis venu, lorsque je serai venu, je vais tout mettre en ordre. Ça, c'est très bon. C'est ce que tu dois faire. Mais, au même moment, il a tout fait pour mettre les choses en ordre dans sa propre vie. Si vous croyez en Dieu, si vous n'êtes pas en train d'opérer dans la foi morte, si vous n'opérez pas dans les suppositions, vous allez travailler plus sur vous-même, plus que vous n'essayez de travailler sur la vie des autres. Vous allez donner plus de temps à votre vie. Vous allez, donner, vous allez soumettre, soumettre votre corps. Vous allez soumettre les membres de vos corps. Vous allez assujettir votre corps. Et gardez votre, votre salut. Les choses que vous avez dans votre vie, les mettre en ordre sous la supervision et la puissance et l'esprit prévalent de Dieu, au lieu de courir ici et là, de courir ici et là seulement en gardant la vie des autres, en assujettissant les autres. Et toi, tu fais de telles choses. Et tu n'œuvre pas sur la voie du Seigneur. Ça, ce n'est pas le chemin. Si tu es ainsi, tu seras expulsé loin du royaume de Dieu. Et tu peux être en train de courir, de sauter, de sauter pour dire, je suis là, je suis là, alors que tu n'es pas là. Regardez cela. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même, je rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, le sous-titre 2, sous il parle de l'élimination du rassemblement exalté par la foi morte. Ça veut dire quoi ce qu'on est en train de dire sous le titre 2 L'élimination du rassemblement exalté. Nous voyons dans Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. Il dit, la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il a commencé par mentionner ses anciens. Les gens qui ont reçu le bon témoignage par la foi. Et la liste devait commencer avec euh, Adam et Eve, mais jamais. Ce ne fut pas la, le cas. Ça a commencé avec Abel. Et ça a continué à Enoch. Continuer sur Enoch. Aller à Noé. Aller à Abraham. Aller sur Sarah, Revenir sur Abraham encore. Et après, mentionnant Isaac, Jacob. Et mentionnant Joseph. Mentionnant ceux-là lorsqu'ils sont partis ainsi, ainsi de suite. Mais le nom de Adam a été exclu. Vous avez vu, non? C'est ce que l'incroyance fait ça. Lorsque quelqu'un se concentre sur les autres choses et qu'il néglige ce qui est nécessaire, la foi qui doit manifester, la foi qui doit posséder, vous devez plutôt mettre l'emphase sur la foi, l'obéissance et l'observance de la parole de Dieu dans nos vies, quelle que soit l'intelligence que nous avons. Quelle que soit la vie occupée que nous avons, quel que soit le zèle que nous démontrons, si nous n'avons pas la foi qui obéisse à l'éternel, nous serons nous serons complètement exclus, complètement exclus de, la, de ce livre de vie. Vous serez exclus du peuple qui, qui va démontrer la foi en Dieu, qu'on peut voir une foi décisive qu'ils ont démontrée en l'éternel. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie. Ceux-là qui sont écrits sur le, dans le livre de vie, ce sont les gens qui ont gardé la foi initiale en Dieu, se repentant de leurs péchés et croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, ils ont continué, ils ont continué dans cette obéissance pratique et cette foi d'obéissance pratique dans le Seigneur, comme le fut Abraham, pas comme Adam le fut dans sa foi morte. Nous devons continuer dans l'obéissance à la parole de l'Éternel si nous avons vraiment la foi. Et c'est ce que Jésus voulait dire en posant la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra. Verra-t-il la foi sur la terre Verras-tu la foi dans votre cœur Verra-t-il la foi qui est obéissante à l'Éternel La foi qui est observable par le Seigneur La foi qui est agissante, faisant l'œuvre de l'Éternel Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Et il dit dans Apocalypse 20, verset 15, que quiconque... Ça, c'est un, un, une parole très lourde. Quiconque, c'est une parole très lourde, quiconque ne fut pas, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans les temps de feu. Ce qui garde nos noms dans le livre de vie, c'est ce qui nous a amenés dans le livre de vie. La foi en Christ, la foi qui nous a amenés dedans, c'est cette même foi qui doit nous donner de continuer, de rester, de demeurer dans le livre de vie, dans le Seigneur. Et cette foi obéissante, oh si elle demeure jusqu'à ce que, ce que le Seigneur revienne, alors nous serons là. Si cette foi n'était pas, et votre nom n'est pas resté dans le devis, vous continuez dans le péché, vous péchez, vous péchez, vous péchez, vous vous battez, vous vous levez, vous sonnez, vous, vous battez ceci, vous tuez l'autre, vous faites ceci, vous allez perdre le privilège dans l'éternité titre 3 sous titre 3 l'exemption de la grâce suffisante après la chute mortelle la chute d'Adam avait alourdi sa conscience bien que Dieu avait annoncé le, le jugement non, Dieu a dit ça c'est pas grave c'est avec la sueur de ton front que tu vas manger c'est pas grave et la terre va te donner des ronces et des épines. Ce n'est pas grave. Et même ta femme, elle va enfanter. Elle aura des douleurs. Ce n'est pas grave. C'est bon. C'est Dieu qui parle. Et maintenant, tu vas sortir du jardin. Et tu seras en train de travailler la terre. Et tu vas espérer beaucoup en, en travaillant. Mais tu auras peu. Mais il n'a pas plaidé. Il s'est tué. Il n'a pas demandé. Il n'a rien demandé comme le pardon. Ah, ah, cet homme qui connaissait, le, qui avait nommé tous les animaux, c'est lui qui avait donné le nom des animaux. Est-ce qu'il ne savait pas que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu de miséricorde? Est-ce qu'il ne savait pas que si nous lui demandons et que nous nous repentons, nous disons, nous nous excusons, ne savait-il pas qu'il sera pardonné? Est-ce qu'il connaissait les conséquences de son péché? Que cela va affecter les générations, des générations après lui? Pourquoi n'avait-il pas même essayé de rechercher la miséricorde du Dieu de vivant Rien de ça, il n'avait fait. Et à cause de cela, il a été expulsé de la grâce suffisante. Parce qu'il il était tombé dans la conscience morte. Il avait endurci son cœur. Qu'en es-tu de toi, mon frère, mon ami Qu'en est-il de toi, ma, ma soeur, mon frère Es-tu mort Es-tu morte As-tu une conscience morte que tu es tellement immersé dans tes péchés que le Seigneur parle et tu n'entends pas? Est-ce que tu es tellement morte, mort par la rétrogradation que maintenant tu n'es pas en mesure et tu ne veux même pas plaider devant le Seigneur? Nous regardons à Genèse chapitre 6. Genèse 6, le verset 8. Genèse 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il est dit dans le verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 22. Au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé avait trouvé grâce. David avait trouvé grâce. L'Ancien Testament, bien sûr. Les gens dans l'Ancien Testament trouvaient grâce aux yeux de Dieu. Ils, ils pouvaient leur donner la grâce et la gloire. Rien de bon ne leur était retenu. Ou empêcher d'être donné ceux qui ont marché droitement devant lui. Oui, nous sommes au jour de grâce. Mais la grâce ne descend pas seulement sur les gens. Si nous ne démontrons pas la sobriété, s'il n'y a pas la tristesse pour le péché que nous avons commis, et nous sommes en train de commettre, s'il n'y a pas de repentance, le détour de ces péchés, que vous me respecter Dieu, vous honorez Dieu, vous croyez en Dieu, vous créez Dieu. Que Dieu va punir le péché, que les mains se mettent ensemble. Le pécheur ne sera pas impuni. Dieu va punir le péché. La personne peut pécher, tellement péché, qu'il a vécu 120 ans et dans le péché, mais Dieu exige que celui-là soit jugé. Il ne sois pas comme Adam, tombé et demeurer dans la tombe, dans, dans la chute, tomber et demeurer endurci. Tomber, mais la conscience a été scellée avec un fait fer de fait, fer, un fait fer, chaud, un, 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 un fait chaud. Alors, ce que tu as fait, si tu continues dedans, l'expulsion va venir de la part du royaume. L'élimination viendra. L'exemption viendra de la part du royaume, à moins que vous receviez la grâce. Il est dit dans Luc 18, Luc 18, verset 8. Luc, chapitre 18, le verset 8. Au milieu, là-bas, il dit Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, la foi dynamique, la foi décisive la foi obéissante, la foi soumise, la foi consacrée. Est-ce qu'il va trouver cette sorte de foi qui vous donnera d'aimer Dieu et de le de craindre, de marcher sur la voie de l'éternel Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Trouvera-t-il la foi dans votre cœur Nous considérons point numéro 3 maintenant, le point numéro 3 présent. Nous parlons de la dédicace entière, notre dédicace entière à travers la foi distincte d'Abraham, la foi distincte, la foi distincte, ce n'est pas juste la foi pour la guérison, <laughs> il n'y a pas la foi pour le salut, ce n'est pas juste la foi pour euh, les, la prospérité terrestre, et il n'y a pas de foi pour vivre une vie juste. Ce n'est pas la foi pour les choses de cette terre et pas la foi pour l'héritage des choses célestes. Et vous démontrez cela par la dédicace entière au travers de cette foi distincte d'Abraham. Jacques 2. Jacques 2, verset 21. Jacques 2, verset 21. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, par l'appropriée action, par l'obéissance, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Nous voyons trois sous-titres ici. Le premier sous-titre, nous parlons de l'expression suprême de l'œuvre de foi d'Abraham l'expression suprême, l'expression de cette foi en Dieu qu'il a marché, qu'il a œuvré par la foi en Dieu comme le Seigneur l'avait exigé. Numéro 2, l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi. Il, était, il avait la volonté. Il y a des choses que le Seigneur peut exiger de qui que ce soit. Comme enfant de Dieu, fille ou garçon, le niveau de d'engagement, le niveau de, de consécration que le Seigneur exige, que le Seigneur désire de vous, de moi et de quiconque qui s'appelle enfant de Dieu, juste pour examiner votre volonté. Est-ce que vous êtes vous, vous avez la volonté de le faire? Et lorsque vous êtes sur le point de le faire, Dieu va dire Abraham, Abraham, c'est bon, ne touche pas l'enfant. J'étais en train de surveiller et de tester, d'éprouver ta volonté à faire ce que Dieu le Tout-Puissant du ciel espère que tu fasses. Alors, nous avons ici l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi. Numéro 3, nous parlerons de l'exemple soutenu de la marche d'Abraham par la foi. Il a marché par la foi. Marcher, ce n'est pas une expérience d'un moment. C'est l'expérience qui nous amène d'aller, de continuer, de continuer jusqu'à en vivant pour le Seigneur. Il avait un exemple soutenu dans la marche par la foi. Voyons le sous-titre 1. Le sous-titre 1, c'est l'expression suprême de l'œuvre de la foi ou l'œuvre de foi d'Abraham. Regardez Hébreu 11. Hébreu 11, 17. Hébreu, chapitre 11, le verset 17. C'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac et qu'il offrit son fils unique et qu'il offrit son fils unique. Sa foi a été éprouvée. Votre foi sera éprouvée. L'expression sera éprouvée. Votre volonté, votre soumission, votre abandon, votre laisser aller à Dieu, sera testé. Il y a des gens qui traversent la vie et veulent seulement aller, ils veulent juste euh, courir sur les nuées et ils ne pensent pas à ce que un test peut venir, un, une épreuve peut venir. Ils ne pensent pas que Dieu peut exiger quelque chose de leur part, que Dieu ne va pas juste prendre quelque chose de mais Dieu va le dire. Est-ce que c'est vrai? Et Dieu a appelé Abraham. Après qu'Ismaël a été renvoyé de la maison, et Dieu a appelé Abraham. Maintenant, Abraham, tu es où? Mais voici, prends ton fils, ton unique Isaac, et offre-le sur l'une des montagnes que je te montrerai. Le lendemain matin, très tôt, Abraham c'est là son âne, prend l'enfant, prenant l'enfant le bois et toute autre chose et le serviteur le vont suivre. et il a laissé le serviteur quelque part il a dit toi reste ici moi et le jeune garçon nous irons de là-bas nous irons là-bas pour aller faire ça, le sacrifice et lui et moi nous allons revenir vers toi ça c'est la foi qui démontrait la foi de la résurrection si j'obéis à Dieu il a le pouvoir de ressusciter Isaac après que je l'aurai égorgé de la mort, il va le ressusciter. Pas la mort, pas la foi plutôt. Lorsqu'il était testé, lorsqu'il était éprouvé, il a offert Isaac. Et lui qui avait reçu la promesse, il a offert son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse. 18, verset 18. Et à qui il avait été dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ça, c'est la foi que Dieu espère de nous, que nous démontrions cette foi. Vivre à la manière d'Abraham, d'œuvrer comme Abraham, avoir la foi d'œuvre d'Abraham. Sous-titre 2, l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi. La sanctification est essentielle. La sanctification est obligatoire. Et il y a certaines personnes qui professent être sanctifiées, mais où est la preuve de cette sanctification? Est-ce qu'il y a de la circulation de cœur? Où est la preuve? Est-ce qu'il y a la sainteté de vie? Où est la preuve? Est-ce qu'il y a la transparence dans les actions? La transparence dans l'homme intérieur? Est-ce que les gens vous connaissent? Quand vous, ce, que, ce que vous courez après, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire? Est-ce qu'il y a des jeux de cache-cache? La sanctification est toujours là, vous dites. Est-ce qu'il y a l'hypocrisie qui est là Il n'y a pas de sanctification là. Est-ce qu'il y a des, prétens, des prétentions là Il n'y a pas de sanctification là-bas. Est-ce qu'il y a le fait de faire croire De faire croire. Oui, je suis sanctifié, je sanctifié. Je ne veux pas de questions. Je le suis, je le suis. Pas de, je n'ai pas besoin de, sanctifi, de prédication. Je suis sanctifié. Attends un peu. Où est-ce que ça s'est passé Où est la volonté Est-ce que tu es prêt à prendre tout de tout ce que Dieu exige. Dans le cas d'Abraham, le Seigneur lui avait dit clairement à propos de la circoncision, et eh bien qu'il avait cet âge dans Genèse chapitre 17, malgré cela, il avait observé cette instruction simple qui lui était donnée parce que c'était l'exigence de Dieu. Mais Dieu ex voulait voir non seulement la, la circoncision de la chair, mais la circoncision de cœur. Deutéronome 30. Deutéronome 30 verset 6. Deutéronome 30 verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Jean chapitre 21 verset 15. Jean 21 verset 15. Alors après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes, ceci, en réalité, c'est une question qu'Abraham devait considérer. M'aimes-tu plus que ton fils Isaac Ça, c'est la question que nous devons tous considérer. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi sur la terre Quelqu'un sur la terre pour toi Quelque activité sur la terre pour toi Quelque position sur la terre pour toi Quelque chose de la terre que le Seigneur demande Sois sincère envers moi, sois ouvert, sois clair. Est-ce que tu as une foi de sanctification de la volonté d'Abraham? Est-ce que tu m'aimes plus que cette chose, plus que cette chose, plus que cette chose là-bas? Ça, c'est la question qu'il continue de poser aujourd'hui. Et si nos cœurs sont sanctifiés, circoncis, si nos cœurs sont purifiés, nous aimons Dieu au-delà de toute chose. Ainsi, Christ posait la question, « M'aimes-tu plus que ne même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il était en train de dire à Pierre, et nous disant par ricochet, qu'il y a quelqu'un que nous devons aimer, que nous aimons au-delà de Christ, et nous n'avons pas de raison d'être dans le ministère. Disant que nous servons le Seigneur, s'il y a quelqu'un que nous aimons plus que le Seigneur, nous, a, nous enseignons l'agneau, nous étendons, nous épapions l'évangile par-ci, par-là. Qu'est-ce que nous allons enseigner aux gens si nous-mêmes nous ne l'aimons pas, ce Christ, le Sauveur le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, si nous ne l'aimons pas au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout le monde sur la terre, nous n'avons pas le droit de paître l'agneau et les brebis du Seigneur. M'aimes-tu plus que ces choses Si nous disons oui, Seigneur, il faut le prouver par l'expression de la circoncision de cœur. Nous considérons au sous-titre 3. Le sous-titre 3, nous parlons de l'exemple soutenu de la marche d'Abraham par la foi. Nous considérons Romain 4, verset 12. Romain 4, verset 12. Et le Père les des circoncis qui ne sont pas seulement Circoncis, mais encore qui marche qui marche sur les traces de la foi de notre père abraham que nous marchons aussi sur les traces de la foi de notre père abraham quand il était incirconcis verset 16 Verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit, pour que, pour l'intention, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, la foi d'Abraham, la foi d'Abraham, notre Père, à tous, notre Père, à tous. Est-ce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui? Oui, il nous a parlé et il voudrait que nous sachions, en tant que des croyants du Nouveau Testament, que nous devons vivre par la foi, nous devons marcher par la foi, nous devons demeurer dans la foi et faire toutes choses. Consécration par la foi, soumission par la foi, abandon par la foi, et nous devons continuer d'agir et ajouter des vertus de Christ dans nos vies. Et c'est ce qui va démontrer que nous avons réellement la foi décisive, la foi agissante, la foi demeurante. Et la foi qui peut être observée parce que c'est une foi obéissante. De Pierre 1. De Pierre 1. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Il dit, pour joindre à votre foi la vertu. La foi, c'est la base. La foi, c'est la fondation. La foi, c'est le début, le commencement de notre relation avec le Seigneur. La foi, par la foi, vous grandissez par la foi, vous êtes sauvés par la foi. Purifiant leur cœur par la foi. Et également, le Saint-Esprit vient sur eux, ceux-là qui ont cru et qui ont obéi au Seigneur. La foi, c'est la fondation, c'est le fondement. Et à la suite, nous devons ajouter la vertu. Qu'est-ce que vous ajoutez à votre foi que vous avez qui vous sauve Est-ce que vous ajoutez la vertu Et à la vertu, la connaissance, la science, est-ce que vous ajoutez la connaissance Est-ce que vous aimez la connaissance Est-ce que vous rejetez la connaissance de la parole de Dieu C'est ce que vous devez ajouter à votre foi. Regardez le verset 6. Le verset 6, à ah, la connaissance, la science plutôt, bien sûr, la tempérance. La tempérance, c'est le, le contrôle de soi, la maîtrise de soi, pas d'alcool. Pas on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas la cigarette ou bien on ne, on, ne, on ne fait pas la chose la plus souillée. Et les autres choses que vous avez, avez l'habitude de faire auparavant, vous ne devez plus à faire avec ces choses. Vous êtes en mesure de contrôler votre corps et votre désir. Vous devez contrôler votre tempérance. Et il dit que vous devez également ajouter à cette tempérance la... La, à la tempérance, la patience. Vous n'êtes pas tellement impatient dans toutes choses que maintenant dans la vie, c'est comme si les petites, petites, petites choses, vous êtes en colère, vous êtes obsédé, vous êtes en colère, vous êtes aigri parce que l'autre, là, il est trop, trop, il est trop, trop faible pour moi. Il faut le faire, faire les choses rapidement. Faire les choses rapidement. Patience, la patience est nécessaire. Et il dit. Que à la tempérance vous devez ajouter la patience, et à la patience ajouter la piété, la piété, la vie selon Dieu. Vous ne devez pas oublier que sans la sainteté personne ne peut voir le Seigneur. Alors, quel que soit ce que nous sommes en train de courir pour de posséder, tout ce qui nous rend impatient, tout ce qui nous donne d'être en colère, comprenez que si cette chose qui se passe si cette chose, cette piété, cette sainteté manque dans ta vie, tu adores en vain, tu œuvres en vain, tu étudies en vain. Il doit y avoir la sainteté, rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Numéro 7, le verset 7, le verset 7, il est dit, « À la piété, ajoutez l'amour fraternel. <laughs> » Vous êtes prêt pour l'enlèvement. Ajoutez l'amour fraternel. Vous œuvrez, vous travaillez, et vous voulez que les gens suivent votre tempo. C'est très bon, mais ajoutez l'amour fraternel. Vous devez considérer ceci. Est-ce que tu es là Et il ne va pas m'obéir. Je sais qu'il ne va pas m'obéir. Je sais qu'il ne va pas se tenir là où je, je me tiens. Il va lui montrer. Il faut pas lui montrer quelque chose. Ne lui montre pas quelque chose. Ne lui montre rien ajoute l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, il faut ajouter la charité, l'amour. L'amour envers Dieu de, de la profondeur de ton cœur et l'amour envers les gens dans toute sincérité. Et le verset 8, verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et s'augmentent, alors elles ne vous laisseront point toisif n'est stérile pour la connaissance de vous ne serez pas infructueux stérile dans la connaissance spirituelle de notre seigneur Jésus-Christ le verset 9 mais au verset 9 mais celui en qui ces choses ne sont point lui là qui n'a pas la foi la vertu la connaissance L'amour fraternel qui manque la charité, celui-là qui manque ces choses, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous ne devons pas être des oublieux. Regardez le verset qui suit. Le verset 10, il dit, c'est pourquoi... Frère, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais. Vous n'avez pas dit Amen. Un autre Amen là. Le verset 11. Le verset 11, c'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Personne ne va entrer dans le royaume de Dieu par accident. Personne ne va entrer au ciel par accident. C'est un choix délibéré. Que j'ai la foi. La, vivante, la foi vivante, la foi décisive, la foi obéissante, la foi observable et la foi agissante. Et c'est ainsi qu'on va aller au ciel. Et cette foi... Nous devons ajouter la vertu. À cette fois, de vous ajouter la connaissance, de vous ajouter la, la volonté, de vous ajouter la, la, la soumission, de vous ajouter le, la soumission absolue, totale, de vous ajouter la passion. Marcher avec Dieu, pas de crainte pour l'homme, pas de crainte de l'homme, de qui que ce soit que vous allez prendre, de quelqu'un qui va vous amener à détourner vos regards du ciel. Si toute cette chose demeure en vous, alors vous allez entrer avec abondance, vous serez permis pleinement accorder l'entrée dans le ciel au nom de Jésus. Je prie que tout ce que nous avons appris aujourd'hui apparaisse dans vos vies, opère dans vos vies et que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir être ce que vous devez être entièrement et qu'il vous accorde la grâce de pénétrer ce lieu glorieux, ce lieu dernier au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous maintenant debout. Et parlons à Dieu dans la prière. Prenez votre décision. Vous êtes sauvé. Vous êtes venu dans une église pareille pour un objectif. Tenez-vous prêt sur cet objectif et laissez la grâce de Dieu et augmente en vous et que votre volonté pour vivre, votre volonté pour demeurer que cela soit observé par tout le monde qui vous entoure que cela soit clairement défini devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres votre vie de foi qu'ils le qu'il la voient et qu'il glorifie votre père qui est dans le ciel Nous devons continuer de prier. Élevons la voix pour prier le Seigneur. Ce soir, le Seigneur nous a parlé. Quel jour de recevoir une telle parole bénie de la part de Dieu.